Ah bon, attends, parce que... Faut-il encore que mon lit soit accessible et qu'il n'y ait pas une énorme poubelle devant ? Hop là ! Je veux rêver. Et zéro. Oh, nous sommes arrivés à destination. Bienvenue sur Loop Island. Ah. Bon. Oh, donc voilà, le principe de l'île, ici de la Loop Island, de H&M. Oh, ah, c'est joli les fleurs violettes comme ça, là, mélangées. C'est une île qui a été créée, du coup, pour montrer le côté éco-responsable. Et donc c'est pour ça qu'il va y avoir beaucoup d'éoliennes, je pense, beaucoup de panneaux solaires, etc. Puisque comme j'ai dit, H&M, d'ici 2030, aimerait faire en sorte que tous leurs vêtements soient recyclés. Du moins qu'une grosse gamme de leurs vêtements soient recyclés. Regardez, il y a un panneau MDR. Selfie. Eh, mais elle est belle, l'horloge en blanc. Sympa. Alors déjà, par contre, les vélos, est-ce qu'on en parle? Je suis jalouse. On va voir le panneau d'affichage. Ah oui, j'avoue. Oh, mais c'est en anglais. Let's change fashion. Our goal is for all H&M materials to be recycled. La carte pour les habitants. Ah, vous êtes curieux, hein? Allez, vas-y, on regarde la carte. Comment qu'on fait déjà comme ça? C'est très violet, mais je crois qu'ils ont fait exprès en fait. Oh, regardez. Du coup, c'est trop bien, ils ont mis des pancartes recyclées et tout. On a un petit stand sympathique. J'ai envie de commencer par en bas. Waouh. Oh, regardez, il y a le. Il y a le monsieur. Bonjour. Du coup, c'est Pascal. Alors là, du coup, on a ça. On a un beau parterre de fleurs avec une éolienne. Très mignon. Ah, la loop machine, elle est là. Ah, ouais, d'accord, ils ont carrément fait un décor du futur et tout. Drop off. Alors, on doit jeter nos vêtements. Et la loop machine, c'est ça. Et donc, ça va me faire un nouveau fringue. Je teste un truc. Je fais ça et que je fais ça. Non, c'est pas comme ça. Eh, écoutez, moi, je suis RP. Hein. Si c'est un décor, j'y crois quand même, ok. Et par contre, le travail sur cette île, là, wow. Il y a beaucoup de fleurs violettes. On va aller voir en haut. Ah, c'est joli ce qu'ils ont fait le parterre, là, comme ça. Il y a beaucoup d'éoliennes, du coup, forcément, vu que c'est une île éco-responsable. Ah ouais, mais c'est fou comment on peut rendre une île rien à voir avec ce qu'elle est au début, quoi. Il y a beaucoup de champignons et de ruches. J'ai envie de ramasser les ruches par réflexe, tu vois, mais il faut pas... Hop là! Hop là! Oh, mais elle s'allume! Regardez, c'est des lampes! Trop beau! Il y a un petit gong. Avec encore les panneaux recyclables. Oh! Hop là! Ah ouais, là, on est carrément au-dessus. Là, il y a la lune. Ah ouais, d'accord. Ils se sont mis bien quand même hein, pour faire leur petit. Oh! Énorme! Regardez, hop! C'est un parcours! Ouf! Là, c'est un petit banc. Voilà, pour s'installer. Oh, mais regardez, ils ont fait des arches en pierre à chaque fois. Et c'est très cute. C'est beau, là, le petit panneau et tout. J'aime bien. J'aime beaucoup. Oh, regardez! La maison de Pascal est excellente. Ah ouais? Faudrait que j'aille voir. Franchement, c'est trop bien fait. Donc, ils ont pris des experts en Animal Crossing ou quoi? Il y a des petits panneaux H&M partout. C'est le berger, du coup. Un petit moulin et tout. C'est bien parce qu'ils ont attendu que les arbres poussent. Et ensuite, seulement, ils ont mis les trucs comme ça. Du coup, les arbres, ils peuvent pas pousser plus que ça. Ce qui fait un style un peu différent. Ah, d'accord, ils ont fermé les jardins des habitants. Je peux les voir, mais on peut pas rentrer. Et en tout cas, c'est plus réaliste parce que du coup, je peux pas m'inviter et voler les trucs des gens. Dommage. Là, on a un phare. C'est bien fait, hein. Franchement, on dirait vraiment un vrai petit village. Oh, waouh. Attends, quoi? C'est quoi? Mais what? Mais attends, quoi? Mais c'est magnifique. Un bar à cocktail avec des animaux exotiques, avec un gros poisson, avec le motif personnalisé au mur qui fait un faux bar à cocktail. C'est incroyable, ça. Elles sont belles, leurs fleurs violettes, hein. Par contre, je trouve ça très joli. En plus, c'est très paisible, du coup. Je suppose que c'est la maison de Pascal. Toc, toc. On va aller voir. Ah, mais c'est un bureau. Bonjour, j'ai rendez-vous avec Pascal. Ah ouais, avec les petites photos. Par contre, elle a un petit problème, la madame, sur le... Oh ouais, il y a des petits bureaux et tout, avec les petites fleurs séchées. Franchement, la personne qui a créé ça, incroyable. Avec les ordi, le fax. Bip, 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 bip. Oh, regardez. Oh, c'est génial. Vous avez vu, il y a l'icône recyclée. Pas très écolo d'imprimer ça en boucle. C'est vrai. Et regardez la tasse. Jusqu'à la tasse, c'est modifié. H&M. Ah ouais, d'accord. Oh my god. Il y a une cabine de vêtements. Ah ouais, genre avec les tissus et tout sur le mur. Les exemples et tout. Avec l'atelier de couture et tout. Sympa, sympa. Avec le petit café chaud là. I like it. Alors là, du coup, c'est le salon. Hop là. Mais t'imagines avoir un appart comme ça? C'est génial, moi j'aime trop. Super cozy vibe. Ah, il est trop beau ce truc là. Ah, regardez la suite. Eh, c'est la même que j'ai. J'ai la grise aussi. Voilà, ça c'est moi. POV, vous êtes moi. Ah, c'est un défilé de mode. Oh my god. Je suis une star. C'est mon moment, les gars. Je suis un mannequin. La musique commence. Voilà, souvenir du défilé H&M. Boum. Allez, montrez-moi la collection. Franchement, c'est bien fait avec les vêtements accrochés au mur et tout. Et là, du coup, dans les coulisses. Ah ouais, mais vraiment.
Regardez, il y a les miroirs en fait. Petite session make-up, incroyable. Ah ouais, c'est la fête ici. We're open. Ok, trop marrant. Ok, on arrive dans un endroit, mais c'est où ça? On dirait un truc pour des hackers, ouais c'est clair. Ah, non, c'est en travaux. Vous croyez qu'ils ont fait exprès de laisser en travaux? Moi je suis curieuse, j'ai quand même envie d'aller essayer. Mais je pense qu'ils ont fait en sorte qu'on ne puisse pas. Mais je vais quand même essayer, je suis têtue. IRL, je ne ferai jamais ça parce que j'ai peur. Non. Laissez-moi venir clandestinement. Ah non, ils ont calculé le coup. Mais je peux pas passer entre les deux cailloux. Regarde, c'est bloqué. Ah, si, voilà. Et regardez, c'est l'avatar de Maisie Williams, du coup. De Arya Stark. Let's change fashion. Alors Maisie, comment ça va, la vie tranquille. Bah du coup, on sait que Maisie est sur cette île et qu'elle pêche tranquillement. On va retourner chez nous, du coup, voilà. On a fait la visite de l'île, c'est très mignon. Pascal, tu m'aides à me remonter, s'il te plaît. Pascal! Je peux rentrer, Serena. Hop là! Au revoir, Pascal! Au revoir, Maisie! Au revoir, Loup Isle! Au revoir, HM!